Le loup. Et le chien. Le loup n'avait que les os et la peau. Tant que les chiens faisaient bonne garde. Un dogue aussi puissant que beau. Qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'eau le fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille et le mâtin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc
l'aborde humblement. Et lui fait compliment pour son embonpoint qu'il a mis. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi. Le chien. Quittez les bois. Quittez les bois. Vous ferez bien. Vos pareils, ils sont misérables. Et pauvre diable. Et dans la condition est de mourir de faim. Qu'en quoi? Rien d'assuré. Point de franche lippe. Tout est à la pointe de l'épée. Suivez-moi. Vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien. Donner la chasse aux gens, portant bâton et aux mendiants. Du logis à son maître complet. Moyennant quoi?
votre salaire sera fort ce relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, caresse. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col pelé. Qu'est-ce là? Dit le loup. Rien. Quoi rien? Rien. Peu de choses. Dont je suis attachée, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Reprit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. De tous vos repas, je n'en veux pas. En aucune sorte. Et ne voudrais pas, même à ce prix, un trésor. Cela dit, Maître Loup, quoi encore?
Jean de la Fontaine.